J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un nouveau lieu. Le voilà. Donc, c'est une grande demeure. On sera encore une fois deux. Donc, on vous dit rien. Je peux juste vous dire que je connais cet endroit parce que j'ai déjà visité une fois. C'est bien, quoi. J'ai entendu du bruit. Ouais, mais c'est des oiseaux. Donc, on vous en dit pas plus. Donc, suivez-nous. Dedans. Donc voilà, ça c'est une première pièce. Donc ça, alors je peux pas vous dire ce que c'était. Je pense que ça doit être ouais, le hall d'entrée, tout dans le genre. Alors je vous explique pourquoi je l'ai visité. Parce qu'une fois, je suis allé tout seul de nuit pour tester un truc. On va dire qu'il y a eu beaucoup de bruit parce que les bois ont beaucoup bougé vu que c'est une vieille maison. Il y a surtout eu beaucoup de coups de pétards, mais pas des pétards de feu d'artifice, des pétards des coups de fusil qui étaient tout proche de la maison, donc voilà, j'étais pas trop rassuré. Et puis la première fois que je suis rentré ici, vous voyez ce qu'il y a devant moi, ça? Et quand je l'ai éclairé, ça fait une forme sur le mur. Je peux vous dire un truc, hein. Ça m'a foutu les jetons dès le début. Donc ça c'était le hall d'entrée, ouais, ça c'est le hall. Et toi, hey, quand je suis allé, les portes étaient ouvertes. Alors, il y a du passage ici parce qu'en fait, ça n'y était pas aussi. Ça là-bas, ça n'y était pas. Le chariot. Les amis, je vais me taper un flip. Attends, fais gaffe, c'est une bouteille là. Là, ouais, je me tape un gros flip parce que ça, quand j'y suis allé, je n'avais pas vu. Je croyais que c'était quelque chose qui était pendu ou. Enfin, voilà. Vous voyez, il y a des bouteilles, il y a un balai espagnol, je dirais. Attends, je vais un peu tour qu'il n'y ait personne. La bouteille est vide. Donc. Cette maison fait quand même assez flipper parce que quand on a l'environnement, on n'est pas du tout rassuré. En fait, ça, je pense que ça, c'est parce qu'on est en haut, il y a une espèce une lumière. Je pense que ça a dû être une installation, mais crois-moi, c'était pas quand j'y suis allé. J'y suis allé il y a 2 jours, c'était pas ça. Donc voilà, ça a dû être un petit salon. Il y avait vraiment putain, vraiment, je faisais une porte qui s'ouvrait. C'est pour toi là? De quoi? Tu viens de faire ça? De quoi? Comment je suis faire? Ah, voilà un peu de pétoche. Regardez, on va aller après. Voilà un petit peu de pétoche. Et tu as l'environnement? Ouais. Ça. On va commencer par la droite, comme ça je verrai si quelqu'un arrive. Ah ouais, donc vous voyez, bon là, il y a encore le tapis, c'est pas encore trop éclairé. Hein. C'est pas encore tout à fait éclairé là. Putain. Parce que c'est pas du tout éclairé en fait là. Et sans rigoler, je sais pas si quelqu'un n'a pas fait une nuit ici, sans mec. Parce qu'il y a plein d'éléments que je retrouve qu'il n'y avait pas. Attends. Je vais tester, attendez, regardez. Et il n'y avait pas tout ça. Attends, je vais faire quelque chose qui tombe pas. Vous voyez? Déjà, dans les étages, je les avais même pas vus. Ça, j'avais même pas vu l'affiche. Ça non plus. Et en fait, il n'y a pas des bouts que je n'avais pas vu, le film n'était pas. Putain, c'est un bordel pas possible. Mais c'est ça le pire. Je dis que ce zoo ça va être nommé ou je sais quoi. Et puis l'état. Je pense que si quelqu'un s'était amusé à racheter ici, il aurait pu. Non, alors, je pense pas qu'il aurait acheté ici parce que t'avais l'état à la maison. Ouais. Pardon, c'est bon. Ouais, donc. Bon, après là, bon, je vais l'ouvrir parce que j'ai peur de voir ce qu'il y a dedans. Non, on sait jamais. Non, mais.
Allez, c'est bon. Certitude, quelqu'un est venu ici. Parce que ça, non plus, ça n'était pas. Et ça, je sais parce que j'ai fait le tour de la pièce. Vous voyez, cet élément-là, ça n'était pas. Je sais même pas s'il y a encore des trucs dedans, ouais. Je me demande un petit peu. Enfin, et ça appartient à Rugbyman. Je pense. Tu l'as dit, c'est une merde. Pas peur que vous savez où chercher. Et le tapis, ça vous me dire que c'est un gros ça. Parce que vu l'état, c'est encore tout frais. Non mais là, à mon avis, si quelqu'un rachète, c'est ça m'a mal mental. Hein. C'est pas possible. Ou alors, si une famille cachée, ils vont faire des travaux, parce que c'est pas possible. Attends de voir le grenier, parce que le grenier, je peux te dire que c'est plus frissant. Attends. Quand tu vas à l'état des murs. Là, on va tout ça là. Ah, attends, je ne voyais pas, attends, je vais vous montrer. Attends, je vais vous montrer avec une balle un peu frontale. Attends, on a 2 secondes. Voilà. Et avec la quand même en fait. Je pensais pas que. Vous voyez? Et attends. Voilà. T'as bien vu? Tout à l'heure j'ai mis en rouge. T'as vu l'infrarouge que ça a fait? Ça, il fait jour les gars. Je suis quand même obligé d'allumer mon truc. C'est quand même grave. Hein. Je veux te dire un truc. Je vais pas encore vu ce sale. Enfin, je vais éviter, mais pour l'instant, c'est presque la plus propre. Ouais. Limite. Par rapport au sale. Et quand je suis venu la première fois de nuit, je croyais un cadavre. Je croyais un truc bizarre, c'est genre un cadavre ou quoi. J'ai même pas osé regarder. Enfin, j'ai regardé, mais. Vous voyez? Vous voulez vous prendre un bain ici? Parce que perso, vu l'état. Ah merde, je vais me loucher, du coup, pour vous. Vu l'état. Du monde? Oui, bah, je vais juste te dire un truc. En fait, en haut, tu vas voir un truc, tu vas pas. Même, enfin, à part si je suis pas monté complètement en haut, tu vas pas comprendre pourquoi il y a ça. De là où on va être, tu vas pas comprendre. Je vais pas te dire quoi, mais. Tu vas rien comprendre. J'ai bugué en un truc. En fait, c'est plein de chambres, je crois. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont plein de chambres, j'ai l'impression. Ouais, c'est plein de chambres où il y avait des lampadaires, des. Et. J'étais en room, là tu m'entends bien. Enfin, je sais pas si avec la caméra on m'entend bien. La première fois que j'ai filmé, ça a résonné, mais tout de fou. Tu sais, il y avait des ondes et tout, ça a résonné. Même moi, tu sais, pourtant je suis pas un verre de pourri et tout, j'ai entendu le son. Même moi, j'entendais même pas ce que je disais avec mon truc. Hein. Enfin, c'est quand même grave. Il y a le papa Noël qui va sortir du. de la cheminée. Ah, c'est pas du tout le même placement. Mais là, tu sais, au niveau espace et tout, t'as vu ça me fait penser? À la maison dans le rond joigny. Ouais. Tu connais ce rond joigny? Ouais. Ça me fait penser un peu à, tu sais, les tapisseries comme ça. Je crois que je suis ici. Ou alors je suis allé, mais vite fait, parce que avec la frigidaire, parce que ça, je l'avais pas vu, l'arbre. Ouais, et ça, je l'avais pas vu, cet arbre. Ouais. Et là, je sais pas si là, ça va être aussi les toilettes, mais là, il n'y a rien d'intéressant. J'entends un bruit, la porte est fermée, j'entends un bruit. Ah, et là, c'est amusant, là, parce que tu vois, ici, quand tu entends des bruits que t'es bien, dès que tu sais pas ce qui se passe autour, c'est vachement amusant. Putain, allez, à mon avis, c'est une garagette, une maison dans cet état, c'est. Regardez la tapisserie qui est défoncée. Je prends de la tapisserie, si moi j'achète ça, je la change. Attends. Non, ça choyait une marche, ça glisse beaucoup, choyait une marche. Bon, je crois que c'est la dernière pièce à voir celle-là. Enfin, avant le grenier. Ah, ben voilà. Toi, je peux entrer partout, que je n'avais même pas vu ça. Je suis même pas rentré dans cette pièce. Je savais même pas qu'il y avait une salle de bain ici.
Mais par contre, eh, cette maison, elle a été abandonnée récemment. Tu sais comment je sais? Non. Par ça. T'as pas me dire que ça date du. Hein? Non. Là, ça date de. Y a pas longtemps ça. Bon, on a fait le tour de l'étage, donc c'était plutôt intéressant. Enfin, il n'y avait pas grand-chose, mais on va dire que c'était enfin, l'espace, l'environnement était plutôt pas mal. Enfin, plutôt effrayant aussi. Attends. Non, attendez que je les entends. Je te jure que. Ah, c'est toi. Premièrement, quand tu dis oui, je crois que Pourquoi tu me rappelles, je sais pas ce que t'en penses. j'ai entendu ça. Bon. Donc, pardon, je disais. On va aller dans la dernière étape de la maison, la plus flippante, Ouais. enfin l'endroit le plus flippant, le grenier. Donc là, on va au grenier. L'endroit qui m'a fait le plus flipper. Oh, il fait jour. C'est pas grave, je garde la lumière au cas où. Parce que comme ça, je. Comme ça, si quelqu'un voit la lumière, il me répondra, peut-être. Ça me fait du tort. Attends, fais gaffe, il m'a plus. Peut-être même si. Attends, il y a des verres, il y a plein de trucs en haut. Ah, il y a encore une pièce en haut, j'ai même pas vu. Enfin, je vais même pas aller en fait. Ah ouais. Je suis à taille ici. Ouais. Ah oui. Alors, il y a personne. Non. Regarde, au-dessus de toi. T'as l'escalier. Ouais. Regarde, où il va. On dirait que c'est une fenêtre. Ouais. Mais d'abord, je sais un escalier pour genre se jeter par Ouais. la fenêtre. Je suis là, je crois que c'était ça au départ. Pourquoi il y a des chiottes ici? Hein? Pourquoi il y a des chiottes ici? Attends, aïe, mais. Eh, en fait, j'ai même pas fait encore tout le tour de la maison. Il y a encore d'autres pièces, je sais même pas. En fait, elle est immense, la maison. Attends, je vais juste. Aïe, ça va? Ouais, Je ça sais pas connu. Il y a le journal, il y a tout. Enfin, je pense que quelqu'un. Attends, enfin, je fais gaffe parce que le sol, je sais pas s'il est assuré. C'est un tour, mais mon pote. Attends, oh. Il y a un balcon. Carrément, on dirait un balcon. Il y a encore des toilettes, mais il y a encore un truc. Attends, on va juste essayer de voir ce qu'il y a ici. Putain, tu comprends? Je suis pas en haut. Tout dans le noir, tout seul dans le noir. ouais. Attends, fais gaffe au sol. Bon, normalement, il est sur le sol. Bon, c'est tout petit. Alors, bon, on voit pas sur la caméra, donc je vais vous éclairer un peu. Merde. Attends. Si je commence à démonter, ma souris, ça va le faire. Vous voyez, l'endroit, ça fait très très squatteur. Putain. Non, en vrai, ça fait pas Pourquoi je suis squatter. grand? Attends, on va juste aller voir là. Non, on va aller voir ici parce que là-bas il y a une échelle. On va juste aller voir ici. Putain, ça fait pas un flip, il y a un oiseau qui. On entend des bruits. C'est un oiseau. Putain, on pensait que c'était quelqu'un qui venait. Moi aussi. Ça va nous faire comme tu sais, au château. Ouais. Là, on va se faire choper par le souris ou un truc dans le genre. Putain, attends, vas-y doucement. Est-ce que pour une caisse, moi. J'ai 1m85. Et là, faut au moins. C'est pas la meilleure idée d'ailleurs. Pourquoi? Y'a un trou? Il n'y en a pas qu'un. Y'en a deux? Ouais. Attends. Ah, Mais c'est. attends, il y a des trous dans le plafond. Enfin, dans le là. Dans le sol. Attends, je vais juste filmer un bois. Non, en fait, je suis pas du tout assuré par rapport au sol en fait. Ouais, ben, il y a des trous dedans. Non, mais le sol, là où on est. Là Oui. où on est actuellement. Oui, mais là, il y a des trous là. Je pense qu'on va plutôt. Allez, attends, on va juste aller. Ouais. En plus, il y en a là. Bon, y'a rien à voir, ok. Alors, attends, par contre, faites gaffe parce que. Là, je t'avoue qu'en fait, on a un peu fait les cons à y aller ici. Et bon. Chut, chut. Bon, la pièce là-bas, on l'oublie, c'est bon. Putain, attends. Ok, attendez les gars, là 2 secondes. Attends, tiens, tiens-moi ça, 2 secondes, tiens-moi ça, tiens-moi ça. Alors, je sais pas si il y a énormément de bruit en haut, le sol n'est pas du tout stable. Putain, c'est meilleur moyen de se gameler. On va descendre, on descend. Ok, pour descend. On descend, non, attends, juste va voir en haut, voir si le sol est quand même bien, parce que s'il y a un truc en haut. Attends, on va juste aller, là, voilà. Là, moi, si on tombe, c'est pas grave, si on tombe dans l'escalier, donc c'est pas très grave. Il est juste en haut. Oh, c'est stylé. Ouais, non, mais c'est pas pour que ce soit stylé, c'est pour que ce soit prudent plutôt. Attends. C'est toi. Hein? C'est toi. Ah, j'ai peur. Ah, bah attends, il y a une échelle en haut, encore. Quoi? Non, mais il y a une échelle là-bas. Ouais, il y a une échelle.
Attends. Parce que c'est pété partout. Attends, je vais juste aller voir. Vous voyez, on est sur le toit. Alors, là pour... attends, j'ai juste envie de voir ce que c'était le bruit. Parce que c'est pas du courant d'air qui fait ça. Non mais, là, j'ai compris, c'est une échelle ça. C'est une échelle. Oui, c'est une échelle. Et tu vas me dire que ça appartient pas à la maison. Ça se trouve l'échelle, attends, attends. T'as pas ce moment de panique que j'ai eu avec le bruit. Putain. Putain, je me suis coupé dessus. Putain, on est vachement rassurés. Alors, je vous m'en dis, c'est le toit. Ouais, ok, alors je t'explique. C'est pas la meilleure idée d'y aller. Parce qu'en fait, il y a encore un truc en haut, mais c'est le toit. Déjà, c'est le seul ici, les craignos. Et surtout, on essaie d'aller là-bas. Tu sais, où on a vu l'échelle. Là-bas ? Ouais, est-ce que tu peux. On... déconseillé. Bon, on va dire que. Enfin. Si c'est pas assuré. Attends. Attends, fais gaffe parce que là, les escaliers ils sont pas du tout en état. Attends, attention à toi. J'en ai eu quand même tapé en deux verres. Attends, genre, c'est mon cerveau qui me fait des tours. Bon, on va pas aller là-bas, mais on va pas lancer une échelle, mais je pense pas qu'il y a un truc autour. Mon pote, tu fais envoyer la snap de la maison. Il m'a envoyé ça. Meurs ? Ouais. Meurs dans la baraque. Culé. T'as des bons potes, toi. Bon, les amis, on a fait toutes les pièces. Donc, on est monté au toit, mais je crois qu'on a entendu énormément de bruit. Alors, ça venait peut-être pas des courants d'air parce qu'il n'y a pas de vent. Ça venait peut-être du bruit de travail, mais le bruit était quand même impressionnant. Donc, on est redescendu parce que là, ça allait pas. Voilà, on pense qu'il y a quelqu'un dans la maison, près de nous, c'est super. Enfin, je sais pas s'il nous entend ou quoi, mais. Voilà, et puis le sol, vous l'avez vu, il n'est pas du tout en état. Le sol n'est pas du tout en état, donc on est à vouloir redescendre. Alors, je vais vérifier qu'il n'y ait personne. Je vais le faire demander maintenant parce qu'on sait jamais. Visiblement, il n'y a personne. Ok. Eh, toi, pour faire Halloween, tu le fais ici. On va faire des bruits. Là, moi, t'as pas besoin de les flipper. Ouais, je me suis dit. Eh, j'ai deux nuits. Je suis monté en haut deux nuits. On est rentré dans un truc, alors je sais pas ce que c'est un hangar ou quoi. Attends, mais c'est un château de vin, ça. Ouais. Putain, oh putain, il y a jusqu'au. On monte pas en haut, parce que vu l'étage, on monte pas en haut. Attends, j'essaie de faire une seule vidéo, vu que c'est juste une vidéo. Juste faire gaffe derrière nous, qu'il n'y ait personne qui nous surprend. Putain, je crois que je peux entrer dedans, j'aurais vu ça, je me suis dit, putain, c'est quoi son nom? Mais c'est le problème. Eh. Tu vois les cordes ou quoi? Oui. Tu veux pas faire le truc? Ça dépend de lui. Ouais. Attends, non, sur ce droit. Il y en a 5 et pour 4 trous. Ouais. En vrai, c'est peut-être une image, mais. C'est ce que je te dis, t'es vite, c'est les points de concentration. Ouais. Bah voilà. Tu penses à ça? Ça, c'est la chambre à gaz. Ah. Si vous avez envie de. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Donc, t'as oublié l'idée? Oui. Bon, là, y'a rien. Attends, juste aller voir là-bas, vite fait. Aïe. Hein? C'est une chaussure? Non, mais là, on a la chaussure. Mais ça pense à un bourdon il y a longtemps. Il y a des pieds chelous avant. Ah, je dis pas, ça n'a pas changé. Hein. Ils ont toujours des pieds chelous, ce que ça arrive au vin. Ça. Ouais, je vais en râler, hein, mais. Ouais. Vu le nombre de fois où ils doivent marcher. Ouais. Ok, est-ce que tu comptes en haut ou pas?
Enfin, là, le sol, on va dire, c'est la pierre, on dirait, en haut. Non, l'escalier, je sens pas. Non. Franchement, je vois le toit vers le sol. Non, l'escalier, je sens pas, finalement. Ça, c'est des trucs de vin, ça. Est-ce que ça doit faire du thé quelque chose qui est marqué à l'aide? Franchement, quand je vois le mot qui est... Tu vois là, je fais gaffe. Quand tu... sais, là, je restais bien un peu de la maison, il y a marqué... bon, les petits n'écoutaient pas, sus. Oui. Voilà. Ben, on va dire que... Après, à l'aide, ça peut... Tu sais, ça peut... Tu sais, l'endroit est abandonné. Ça se trouve qu'il s'est passé un truc ici. Oui. Mais justement. C'est pour ça qu'il y a un truc il y a longtemps, avant Oui. que ce soit abandonné. Ouais, bon, c'est bon, il n'y a plus rien. Bon! Putain, je vais me défoncer les yeux avec ma lampe. T'inquiète pas, moi aussi. Mais ça, c'est pas Oui. grave. Nous venons de finir la maison. C'était quand même assez grand, assez long. Il y a des endroits qui nous ont fait flipper, mais c'était quand même sympa. On a visité aussi les dépendances. Et puis, franchement, une maison comme ça à refaire. Je vous la montre, voilà. Bah, on a eu beaucoup peur sur le toit. Ouais, sur le toit, ouais. Vous allez voir dans la vidéo, le toit, on a entendu beaucoup de bruit, donc je sais pas si ça va, si on l'entend sur la caméra. On a entendu beaucoup de pas, beaucoup de bruit de verre, enfin comme si quelqu'un marchait. Donc ça nous a un peu foutu les pétoches. Surtout qu'après on a entendu un bruit d'oiseau là qui nous a carrément. Le bruit d'oiseau, je crois que c'est le truc qui m'a fait sursauter parce qu'on s'attendait à rien et en fait on l'a vu, donc du coup, bon après on a vu l'oiseau venir, enfin on l'a vu sur le partir. Donc ça a été rassurant, mais oui. Bon, après le sol n'était pas rassurant du tout. Non. Le sol est craqué. Franchement, si on fait... alors désolé pour ça, mais si on fait 130 kilos, c'est même pas le... c'est même pas le... Ouais, la peine d'y monter. Non, mais bon. Et après là, le truc qu'on vient de voir, l'espèce de cave. Ouais. On va appeler ça, c'est un truc de vin, donc c'est assez bizarre. Il a retenu lui que, je suis sûr. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la chaîne autour de vous, ça nous ferait plaisir d'avoir plus d'abonnés. Ouais. Parce que là, les vidéos vont monter crescendo dans le plus fort. Je sais pas si Ouais. ça se dit. Ouf. Voilà, ça va bien monter crescendo. Donc voilà, donc merci à Louis une nouvelle fois, d'être De fidèle. Merci à la frayeur qui nous a foutu, rien. avec ses pas. Bam, bam, bam. Hein. Et sinon, on vous dit à la prochaine pour une autre vidéo. Tous! Tous.